Merabet, photographe exposante. Je travaille et j'habite entre Oran et Alger, en Algérie. L'approche choisie pour photographier la série Séquelles Bleues a été le résultat d'une réflexion autour d'un moyen de sensibilisation et la représentation des violences faites aux femmes à l'image. Cette série est en l'occurrence une manière d'attirer l'attention dans le but de sensibiliser sans utiliser les mêmes procédés, à savoir choquer avec des images violentes. J'ai voulu tromper les gens et avoir une approche complètement à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de voir. J'ai travaillé avec l'actrice Maryam Chran en tant que modèle. Elle dégage beaucoup de force, mais en toute délicatesse. Et la lumière rouge accentue ces caractéristiques-là. L'élément le plus important est l'ombre, car selon mon approche, les violences, quelles qu'elles soient, sont subies par les victimes sur un temps défini. Et si elles sont physiques, le corps peut en guérir. En revanche, les séquelles psychologiques restent-elles une ombre qui nous suit partout ? La lumière des ombres est bleue, ce qui explique le titre. La deuxième idée de cette série est celle du combat que l'on mène contre ces séquelles, qu'on porte malgré nous pour aller de l'avant.